Bonjour, Bruins. Today's episode's in French, which I clearly do not speak. It's going to be with Joseph and Ari, and they have your morning announcements. Les voici. Bonjour, Bruins. Je suis Ari. Je m'appelle Joseph Durocarien. L'élève du jour est Amber Westover, reconnue par Madame Freitag. Amber est tout simplement super. En tant que membre du gouvernement d'élèves, elle a beaucoup de responsabilités, dont un, aider avec le programme d'élèves du jour. Amber met tout ce qu'elle peut dans tout ce qu'elle fait, et cette attitude est bien appréciée. Amber va à la bibliothèque pour récupérer ton tissu et un bonbon. Demain, nous avons notre assemblée multiculturelle annuelle. Nous allons avoir des performances et des danses pour célébrer nos différences. Nous avons aussi une danse pour l'école demain. Ça sera dans le East Gym à 20h. Venez emmener vos amis pour vous éclater. C'est un jeudi soir et nous n'avions rien qui se passe vendredi à cause du Teacher Work Day. Alors jeudi sera comme un vendredi soir. Noche de Baile sera une de nos meilleures danses de l'année. Mardi, le 27 janvier, est notre Junior Higher Education Day. Il y aura des étudiants d'université et paraphiles dans l'école et les juniors auront l'opportunité de visiter 3 universités. Ça va se passer pendant les périodes A1 et A2. Les juniors seront donc excusés de leurs classes pour apprendre plus sur les différentes universités. Demandez à Clancy Wood dans les centres de conseil si vous avez des questions. Senior quotes are Wednesday the 11th and Thursday the 12th. This is just a fun opportunity for you to come down, get your picture taken, and say a quote that will be in the yearbook next to your name. There's also a mandatory FBLA meeting in Mr. Kepis's room on Thursday after school. So if you're an FBLA, just head down to room 132. There's a Mountain View Multicultural Week. This week, there's going to be some lunchtime activities as well as a free evening performance in the auditorium and the Noche de Baile dance. Girls rugby is going to happen on January 16th at the Peak Ice Arena Turf. If you want to head down there, it's in Provo. All right, Bruins. Wait. How do you say sports in French? Okay, we're not doing that. Let's move on to sports. Vendredi est le début du Rebel Wrestling Tournament à Harriman. Ça va durer jusqu'à samedi. Soyez sûr de venir supporter notre équipe et souhaiter les bonnes chances. Nous avons aussi une compétition de natation en team 14h. C'est vendredi. Si vous connaissez notre équipe de natation, vous savez qu'ils sont pratiquement des sirènes. Vous, la vitesse en auquel ils vont. Nous avons donc beaucoup de confiance dans nos chances à gagner. All right, that's it for today. Hope you guys enjoyed all that amazing French and leave your print.